Buenos días y bienvenidos a un otro episodio del Hat Historian. En este video, hablaré sobre un sombrero que se ha convertido en un símbolo, un icono cultural y, de cierta manera, un estereotipo de México. El sombrero de Charo. El sombrero Ou plus exactement le Sombrero de Charro, est un chapeau très reconnaissable avec son rebord très large et est devenu emblématique du Mexique. À l'origine, et encore de nos jours dans une certaine mesure, il était porté par des hommes qui y travaillaient dehors. Des versions très décorées sont intimement associées aux mariachi, ces groupes musicaux, et des personnages de bandes dessinées venant du Mexique en sont souvent affublés. Avant toute autre chose, parlons terminologie. En dehors du monde hispanophone, ce chapeau est tout simplement appelé sombrero un mot espagnol signifiant à peu près ombrageur. Mais sombrero est simplement le mot espagnol pour chapeau, et peut faire référence à n'importe lequel de ceux-ci. Le chapeau mexicain stéréotype, comme celui que je porte actuellement, est plus exactement nommé sombrero de charro. Les charros, c'étaient des cavaliers des campagnes mexicaines qui furent les premiers à réellement les adopter et les populariser. Donc, dans cette vidéo, si je parle de sombrero, je fais référence à ce type, utilisant tout simplement le terme français plus court. Comme beaucoup de chapeaux traditionnels, les origines précises du sombrero se perdent dans les brumes de l'histoire. Étant une combinaison de sources multiples qui furent rassemblées pour des raisons pratiques. Ces origines probables remontent au XVIe et XVIIe siècle, avec la conquête et la colonisation du Mexique par l'Espagne. Les colons espagnols amenèrent des styles de leur patrie, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur le chapeau de cow-boy, y compris des chapeaux au rebord large, à l'origine fait pour protéger du soleil méditerranéen. Des exemples de ce qu'ils ont peut-être porté peuvent inclure les sombreros cordobés, un chapeau plat fait avec de feutre ou de paille, lui-même inspiré de modèles grecs et romains. Arrivant au Nouveau Monde, Beaucoup fondèrent des familles avec des indigènes, créant une nouvelle classe métisso ou métis, qui intégra des traditions des deux cultures. Beaucoup de ces gens travaillèrent sur des fermes, mais trouvèrent le soleil mexicain plus rude qu'en Espagne et demanda plus de protection. Combinant des styles européens et des plantes et techniques indigènes, ces ouvriers fabriquèrent des chapeaux beaucoup plus larges que les originaux, avec un rebord parfois large d'un demi-mètre au bord de la calotte. La logique d'un chapeau aussi large était de protéger non seulement la tête et la nuque, mais aussi les épaules et un peu du dos. Au fil du temps, ces chapeaux devinrent plus populaires et se répandirent dans tout le Mexique central, s'installant dans la culture lorsque le pays développa son identité. Pendant un temps, les sombreros n'avaient pas de forme particulièrement définie, autre que leur largeur. Le sombrero de charro, tel qu'on le connaît aujourd'hui, aurait ses origines dans l'état de Jalisco, autour de Guadalajara. Encore une fois, ces origines sont probablement un mélange issu de tradition et de considérations pratiques, mais le chapeau à large rebord aurait été adopté par les charros de la région, qui étaient, comme je l'ai dit auparavant, des cavaliers qui aimaient ce chapeau pour la protection qu'il offrait contre les éléments, avec des versions en paille pour se protéger du soleil et en feutre pour la pluie. Le rebord légèrement retourné permettait de rediriger l'eau de la pluie pour éviter qu'elle retombe sur le dos, et la forme fut reprise pour la version de paille. La haute calotte et le large rebord pouvaient aussi offrir un peu d'amortissement contre les chutes. C'est aussi eux qui ont ajouté la jugulaire souvent présente pour éviter que le chapeau ne s'envole quant au galop. L'adoption de ce chapeau par les figures si romantiques cimenta sa place dans la culture populaire, un peu comme le chapeau de cow-boy. Dit en passant descendant du sombrero, le devint plus honoré. Avec l'inclusion de l'image du charro dans la conscience commune, leur version du sombrero devint plus établie, avec sa calotte pincée et son rebord légèrement relevé. Les classes ouvrières portaient souvent des versions simples, généralement en paille, alors que les classes aisées en portaient des versions richement décorées, parfois en feutre fin. Vers la même époque, à la fin du 19e siècle, ce chapeau devint associé avec un autre symbole mexicain de Jalisco, les mariachi. Ces groupes musicaux traditionnels auraient leurs origines auprès de Guadalajara. Étaient souvent formés de pauvres travailleurs, qui soit n'avaient pas d'emploi stable, ou voulaient arrondir leur fin de mois. Au début, ils portaient simplement des tenues régionales, qui comprenaient des tenues de charros. Avec la notoriété croissante de ce style, ils commencèrent à l'adopter comme uniforme. Ils les décoraient fortement pour se démarquer lors de représentations, créant l'image du scintillant sombrero de mariachi connu aujourd'hui. Cette image du charro se répandit au reste du Mexique après la révolution mexicaine au début du XXe siècle, et cette tenue de mariachi atteint la capitale de Mexico. Bien que les groupes dans d'autres régions du Mexique portaient parfois des coiffes de leur propre région, cette image du sombrero de charo est la plus reconnaissable de par le monde. Son association avec la musique et la culture mexicaine est renforcée par le jarabe tapito, la danse du chapeau mexicaine, qui vient aussi de Guadalajara et inclut un sombrero. Censé représenter un homme pauvre faisant la cour à une femme, qui rejette ses avances avant de finalement consentir, l'homme est habillé en charro et une de ses actions est de jeter à terre son bien le plus précieux, son sombrero décoré, dans un acte d'amour. Les danseurs dansent ensuite autour. Cette danse, à l'origine controversée par des groupes religieux et conservateurs pour ses forts sous-entendus sexuels, est devenue tellement connue qu'elle fut nommée la danse nationale du Mexique, renforçant la place du sombrero de Charo dans l'imagerie nationale. Une variante du sombrero qui est souvent vue, bien que dans la plupart des cas comme élément de costume, de caricature ou d'animation historique, est une version avec un haut très pointu et un rebord fortement relevé. Parfois appelé un piloncillo ou pain de sucre au Mexique à cause de la ressemblance, qui fut rendu célèbre par le révolutionnaire Emiliano Zapata. Bien que né dans une famille relativement aisée, Zapata voulait se montrer comme un homme du peuple et s'habiller en charro avec un grand chapeau distinctif. Ce style fut imité par ses admirateurs et par son rival occasionnel Pancho Villa. Zapata est extrêmement connu au Mexique et son style de chapeau est parfois vendu lors des fêtes, mais dans la vie de tous les jours, il est rarement porté autre que par fantaisie. Le sombrero de charro est encore porté aujourd'hui, à part par les danseurs et musiciens, dans les charrerías, des spectacles équestres mexicains vaguement équivalents au rodéo américain. Les hommes qui y participent sont habillés en tenue traditionnelle, plus ou moins formelle, qui inclut le sombrero. On peut également en trouver dans les compétitions de sport international, portées par les supporters mexicains comme signe de fierté nationale. Cependant, les ouvriers travaillant au champ commencèrent à l'abandonner vers le milieu du XXe siècle en faveur du tejano, une version mexicaine du chapeau de cowboy américain, plus pratique avec son rebord plus étroit. Des grands chapeaux, vaguement ressemblant aux sombrero, peuvent être vus portés par des ouvriers de temps en temps, mais leur forme est quelque peu différente du sombrero de charro, ressemblant plus à un très grand Panama. Dans les villes, il n'est quasiment jamais vu en dehors des représentations culturelles ou de musiciens, bien qu'il soit très couramment vendu dans des magasins de souvenirs ou les marchés. Le mien provient d'un marché de Mexico, dû à ses profondes associations culturelles au pays. Il y a eu, ces dernières années, un peu de controverse quant au port du sombrero à l'étranger, surtout aux États-Unis, particulièrement au moment de la fête du Cinco de Mayo, qui commémore une défaite française, qui devient souvent une grande beuverie. Certains sont d'avis que le port du sombrero est insultant, manque de respect, aidé de l'appropriation culturelle. N'étant pas mexicain, mon opinion n'a pas une grande autorité. En plus, il y a plus de 140 millions de Mexicains de par le monde, donc des opinions différentes doivent bien exister. Mais je pense que cette opposition a plus à voir avec l'attitude du porteur qu'avec le chapeau lui-même. Je peux imaginer que certains seraient quelque peu inconfortables avec l'idée que ce précieux bien culturel mexicain serait associé à des étudiants sous vomissant dans des poubelles. Mais mon impression, partiellement basée sur quand je l'ai porté après l'avoir acheté au Mexique, en rentrant vers mon hôtel, parce que qu'est-ce que j'allais faire avec, et plus tard en me demandant leur avis à des Mexicains que je connais quand je faisais cette vidéo, est que le port du chapeau par des étrangers est non seulement accepté, mais le bienvenu si c'est fait avec respect. Il n'est pas différent qu'un non-russe portant une ushanka, un non-arabe portant un fez, un non-français portant un béret, ou un non-américain portant un chapeau de cowboy. Ce que j'ai tout fait sur cette chaîne, bien que les deux derniers soient un peu différents, car je suis franco-américain. L'essentiel est l'image que l'on donne en le portant, car cela reflète sur la culture avec laquelle il est associé. C'est mon interprétation, mais s'il y a d'autres opinions, particulièrement par des Mexicains, je vous invite à commenter. Le sombrero est vraiment une icône, un symbole de son pays d'origine, le Mexique, reconnu de par le monde, et a même prêté son nom à une galaxie du fait des ressemblances des formes. Il a mérité sa place dans la culture et n'est pas prêt de disparaître. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.